Le tableau croisé dynamique va permettre d'organiser et d'analyser les données du tableau avec une plus grande précision. Pour créer un tableau croisé dynamique, il faut se rendre dans le menu Insertion. L'icône de gauche permet la création d'un tableau entièrement personnalisé. Celle de droite vous propose des modèles de tableaux croisés. En cliquant sur le second bouton de tableau dans le menu Insertion, on fait apparaître une liste de suggestions d'Excel pour créer des tableaux croisés dynamiques. Ces tableaux seront créés d'après les valeurs du tableau source. Dans la colonne de gauche, on peut faire défiler toutes les propositions. En cliquant sur ces propositions, on affiche dans la colonne de droite un aperçu du résultat. Lorsque de ces propositions est validée, le tableau croisé dynamique correspondant va se créer automatiquement dans le classeur Excel. Si l'on ne souhaite pas utiliser un modèle, il suffit de cliquer sur la première icône de tableau dans le menu Insertion. Et là, nous allons pouvoir créer un tableau dynamique de toutes pièces à partir des valeurs que nous aurons choisies. La boîte de dialogue qui s'ouvre va nous permettre de choisir les données qui seront intégrées au tableau ainsi que son emplacement. Dans le premier champ, on peut saisir le nom du tableau qui va être intégré pour le tableau croisé dynamique ou bien sélectionner une plage de cellules. L'utilisation avec une source de données externe sera vue dans un prochain tutoriel. Dans le champ numéro 2, il va falloir choisir si le tableau sera affiché sur une nouvelle feuille de calcul ou bien sur la feuille de calcul existante. Si l'on choisit de créer le tableau croisé dynamique sur la même feuille, il va falloir préciser à Excel l'emplacement de ce tableau en sélectionnant une cellule. Deux zones apparaissent sur la feuille. À gauche, tableau croisé dynamique. À droite, champ de tableau croisé dynamique. Si l'on clique sur une cellule hors de la zone indiquée tableau croisé dynamique à gauche et en rouge, la zone champ de tableau croisé dynamique à droite va disparaître. Il va maintenant falloir choisir les champs que l'on va utiliser dans le tableau croisé dynamique. La première solution consiste à cocher ceci dans la colonne de droite, liste des champs de tableau croisé dynamique. Excel va les placer aux emplacements qui lui semblent les mieux adaptés. Il va également choisir les calculs qui lui semblent les plus corrects. Une autre méthode pour placer les champs du tableau croisé dynamique consiste non pas à les cocher, mais à les faire glisser vers le bas de la colonne champs de tableau croisé dynamique et à les placer dans chacune des cases où on souhaite les voir apparaître en tant que filtre, dans une colonne, dans des lignes ou en tant que valeur. Si l'on modifie une donnée dans le tableau source, il va falloir l'actualiser dans le tableau croisé dynamique, car cela ne se fait pas automatiquement. Pour cela, il faut se rendre dans le tableau croisé dynamique, cliquer sur une des cellules afin de faire apparaître la barre d'outils « Outils de tableau croisé dynamique » et, dans l'onglet « Analyse », cliquer sur « Actualiser ». À ce moment-là, toutes les données qui ont été changées dans le tableau source seront mises à jour dans le tableau croisé dynamique. Si l'on veut modifier le mode de calcul de la valeur d'un champ dans un tableau croisé dynamique, il faut se rendre dans la colonne champ de tableau croisé dynamique et dans la case valeur, cliquer sur le champ que l'on souhaite modifier. On choisit l'option paramètres des champs de valeur et dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, on choisit la nouvelle méthode de calcul que l'on souhaite utiliser. Comme pour toutes les feuilles Excel, il est possible de déplacer et de renommer la feuille comportant le tableau croisé dynamique. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'onglet en bas de la feuille avec le bouton droit et, à partir du menu contextuel, cliquer sur Renommer, changer le nom. En maintenant le bouton droit enfoncé sur l'onglet, on peut également déplacer la feuille pour la positionner à un autre emplacement du classeur.